Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve dans un parcours en moto. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous depuis hier? Mais Pedro n'était pas là pour la course troll qui vous a pas mal plu. C'est vrai que les gens ont bien aimé la course troll, les gars. Ouh, faut planer en fait. Hello. Pedro nous a rejoint, comment vas-tu Pedro? Ah ouais, bon. Ah bah écoute, je vais nickel Pedro. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes mercredi et aujourd'hui je vous annonce un petit live à 21h, donc soyez présents. Ce soir, il y aura un petit live. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait. Enfin, du moins, c'est la semaine dernière, on n'a pas fait beaucoup de live. Mais ce mercredi, il y aura bien un live, les gars. Donc, on se rejoint ce soir, j'ai envie de dire. Ah ouais, donc par contre, c'est créé par un Français, les gars. Donc, on met les Français à l'honneur aujourd'hui. Sont-ils des bons créateurs? Telle est la question. En tout cas, pour le moment, c'est sympa, c'est pas mal. Par contre, ok, c'est bon, je suis le pont. Je pensais que j'allais pas avoir le pont, mais en fait, si, c'est bon. Ah bah en fait faut planer tout le long là. Bah moi j'ai pas eu le point, j'ai pas eu le point. Le mec donc je recommence. Il a pas eu le point, il n'a pas eu le point. Guillaume. Non. Oh je suis tombé en haut. T'es tombé? Bah ouais, je suis sorti de la rampe en haut. Pareil. Ok, moi je vais essayer de bien planer. Ok. Pour le moment ça va, ça se passe bien j'ai envie de dire. Alors par contre, il m'a quand même assez easy. Bon, après, il a dit que c'était easy medium. Oh là là, ouais, je suis resté bloqué. Donc, vous pouvez me rattraper, les gars, parce que je suis tombé dans un truc où. Ouais, moi j'ai l'impression que. Pression quoi. Que Gérard le graviton. Est-ce que vous vous souvenez de Gérard le graviton? Ouais, mais j'ai surtout l'impression que c'est Gérard le graviton qui a fait le parcours quoi. Ah bah je peux te dire que là effectivement j'arrive pas de tomber. En train de me dire voilà. Il y a la classe basse et il y a la classe haute. Ah allez, ouais, c'est celui-là parcours, ah ouais. Ah non, un ottoman peut-être. Pedro, t'as déjà fait le parcours? Pas. Bah ça me dit quelque chose. Je suis un forceur. Je pense qu'il faut pas, hein. Il faut pas faire de roue les gars. Parce que ça fait deux fois que je fais des roues. Et oh là là. Non, je suis tombé les gars. Ok. On est reparti les gars parce qu'il y a ma bouffe du coup qui vient d'arriver. Mais on est reparti, ça fait plaisir. Enfin ma bouffe, je veux dire. Pas ma bouffe, pas j'ai commandé quoi. Tu vois, mon assiette est prête, disons. Et on est parti, on est essaye. T'as commandé quoi? Écoute, je mange une tortilla espagnole. Je sais pas si tu vois c'est quoi. J'y reconnais. Ouais, c'est magnifique ça. C'est ouais, je kiffe ça en ce moment. Je me tue aux tortillas espagnoles. C'est de l'œuf comme ça. Magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, si tu viens que ça, je te ferai une tortilla espagnole. Voilà, je te le dis. Ah, allez. Ah, allez. Eh ben écoutez, pour l'instant, les gars, le parcours, je pense que vous en. What the fuck? Il y a eu des trucs noirs qui sont affichés. J'ai fait un salto, je suis mort. C'est pas mal. Ok. En ce moment, moi j'ai la poisse, les gars, avec le BMX. Enfin, tous les trucs bizarres, ça m'arrive. Là, je sais pas, mon GTA il est maudit, je pense. C'est vrai que. T'es maudit, quoi. Ouais, voilà, je le dis. En tout cas, vous êtes parti, hein. Moi j'arrive plus à vous rattraper. Écoute, moi j'avance en silence, comme on dit. Ok, alors par contre, ici, je pense qu'il faut aller à droite. Et ensuite tourner. JR, ça va parce qu'on t'entend pas du tout. Alors, JR, la moto et le planage, toi, ça fait deux là. Il y a même pas à planer là. Bah, si, là, faut planer un petit peu sur le toit là. J'arrive pas. Ok. Non, là. Alors, ici, il faut tourner un peu bizarre, les gars. Je pense, JR, au lieu de faire des roquettes voltiques, faut peut-être que tu prennes des cours de planage. Ouais, je crois aussi. Ouais, j'entends, tu sais planer, c'est ça le pire. D'ailleurs, la salle a dit que tu t'es amélioré en planage. Est-ce que c'est vrai ou pas? Amélioré, c'est un gros mot. Hein. Ouais, quand même, par rapport à avant, si. Alors, peut-être planer un petit peu, mais après, c'est rentrer dans les. Ah ouais, Pedro, t'es là cette année. Ouais. T'es en place, quoi. Je suis là. Le mec, il est devant, tranquille, il dit rien, il fait comme si de rien. Il discute avec nous, les gars, comme si. Comme si. Bah, voilà. C'est toi qui étais devant, moi. Limite, il mange ta pasta box. D'ailleurs, pasta box, dédicace à mon TikTok que vous avez kiffé. 1,5 million de vues, les gars, c'est pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, hein, si non, vous ne suivez pas sur TikTok. Oh, c'est, la poisse. Allez. On est bon. Bon, ben tu vois, vous êtes repassé dedans. T'es tombé? Non, mais tu regardes, je vous laisse la surprise du bout. Ah merde! Ok, je crois qu'on a fait pareil. Oh là là, on s'est tous fait avoir. Mais il faut faire quoi, les gars? Faut planer.
Bah faut aller Mais vite. y a pas assez d'élan. Mais si. Si. Je fais une roue. Oh merde, bah j'ai été trop loin même. Ok. Ah bah écoute, je suis tombé. Ok. C'est toi que j'ai eu sur le côté de la rampe. Ouais, je suis tombé au milieu de la rampe, même pas. Ok, je suis pas trop mal. I'm not. Non, mais pourquoi ça. Pourquoi j'ai la poisse? Pourquoi j'ai la poisse? Pourquoi ça me fait ça? Expliquez-moi, les gars, dans les commentaires. Ok. Waouh, ouais, mais. Waouh! Mais non, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Là, les gars, c'est trop. Ce qui vient de se passer, c'est trop. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, je vous jure que j'ai une poisse abusée. Et vous, comme par hasard, vous allez passer. Bah oui, bah. Comme par hasard, ça bah, passe. Bah attends, toujours les trucs, tu vois pas que t'es devant là, tu vas gagner. Mais je te jure, mais je suis pas devant, c'est pas moi. C'est qui? C'est Pedro, je crois. Ouais. Dis pas que c'est le Pedro qui va gagner, je te crois pas. And the winner is. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. On s'est fait battre par Pedro, les gars. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ça fout les boules, hein, quand même. Bah attends, il est tombé au bout. Il avait déjà joué, Pedro. Vous avez fait comment, les gars, ici? Ouais, ouais, on a fait wallride sur le côté. Pour après. Ouais, bah c'est bon, je suis passé. Ok, eh bien écoutez, sympathique cette course. Ah, il fallait un peu de vitesse là. On va se lancer une petite aire de race pour conclure. Et puis. Bah, il faut conclure, hein. Bah, il faut... Ah, bah ouais, ouais. Parce que là, Pedro premier, on peut pas conclure comme ça. Hein. Et ouais. On est reparti. Cette fois-ci, on veut la vie de JR. On veut ton avis, JR. Est-ce que cette course mérite. Non, mais c'est vrai qu'on se demande, est-ce des créateurs, combien vous mettrez sur une autre création? Donc, je veux que tu notes sur 10 cette course. Cette création. Attends, on va demander à JR d'être honnête aussi, hein, parce que JR, des fois, il se retient. Hein. Ouais. C'est vrai? Tu te retiens, JR, des fois? Non, mais j'ai la vérité. Ok, bah, tu nous dis combien tu feras. Mais non, tu finiras pas premier cette course. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, on se balade en ville. Ok. Ouais, il met les points faciles, on va dire. Là. Déjà, je vois que monsieur derrière veut me prendre mon aspiration, mais tu l'auras pas, mon ami JR. Attends. Le mec, il est là, il va prendre mon aspi, tranquille, le mec. Ok. Ouais, ouais. Tu traces, là. Hein. J'essaie d'avancer, quoi. Disons qu'on est là, cette année. Ok. Par contre, à mon avis de vous, et à mon ami de vous tous, elle m'a l'air pas mal quand même, ça m'a l'air d'être beau. Bon, apparemment, c'est une course automatique en Osiris, donc on va voir si c'est automatique. Ah, le bagnard! Ou pas. Le cosla qui triste, quoi, qui veut pas que j'aille. Ah non! Ah, je l'ai déjà faite. Oh là là, je suis parti. Ok, elle est bien créée, c'est bon, je l'ai déjà faite. Ah non, c'est. T'es sûr? En fait, de la miniature, on dirait que c'est une course de bébé, mais en fait, non, elle est vraiment super bien faite. J'ai déjà faite. Eh ben on va voir ça. Elle était sortie en 2017 pour l'Independence Day. Ok. Je vais te dire ça. Mais en tout cas, elle est magnifique déjà. Oh non, elle est incroyable. Ah la vache, au moment où je dis ça, il y a un fail qui se met dans ma course. C'est beau. Ouais, j'ai eu un fail, mais bon, c'est pas grave. Des fois, les créateurs ils peuvent avoir des fails. Peut-être qu'on a mal pris le truc ou quoi. Non, moi, il n'y a pas de fail. Ouais, bah pour c'est le moment, ouais, c'est parce que je pense, à mon avis, je l'ai pris trop vite, je pense. Wouah, non, franchement, c'est vraiment très très bien ouais, créé. Ouais, il faut pas toucher, il faut juste R2 là. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, on peut pas dire au créateur là qu'il a fait de la... Non, c'est propre. La merde. C'est propre. Notez, on va noter après la course, de toute façon. J'ai explosé. On va dire, c'est pas la course du début, quoi. C'est pas la première course qu'on a fait. Là, vraiment, je reconnais. Même dans les tuyaux, on peut ne pas toucher, les gars. Exactement. Effectivement. Non, c'est. J'ai pas touché. C'est magnifique. J'ai pas touché ou. Ok. Voilà, ouais, faut qu'elle est pas mal. Elle ouais. est pas mal du tout pour le moment, les gars. On est elle pas est mal. Magnifique. Moi, j'avais une question, c'est JR, est-ce que tu penses qu'un jour tu serais capable de nous faire ça? Non, il y a d'autres gens plus compétents pour ça. Ouais. Ça, c'est combien de temps de création tu penses, JR? Ça? Ouais. Je pense 4-5 heures. Hein. C'est tout? Ah, minimum, hein. 4-5 heures? Moi je pensais largement plus, moi. Moi je pensais une semaine. Hein. Ouais, voilà. Non, genre, peut-être pas une semaine, mais 2-3 jours, quoi. Non, je me suis fait avoir. Non, je pense en 4-5 heures, tu peux faire un truc comme ça. Ah ouais, ok. Moi je me suis fait avoir. Donc là, par exemple, toi, si je te donne un défi,
En 4-5 heures, tu l'as fait, quoi. Non, moi, pas ça. Non, non, pas ça. Ah, vous vous êtes fait avoir aussi? Ouais. Mais... Ah bah du coup, je suis repassé premier. Bah, faut respawn, je crois. Ah bah c'est beau. Ouais, bah ouais, il fallait respawn. Par contre, Pedro, il est là cette année. Hein. L'entonneur. Pedro, il est plus là cette année. Pedro, je l'ai mis hors course tout à l'heure, là. Ouais, forcément. Le mec, il me pousse. Pedro, il est plus là. C'est qui le dernier? Bah c'est moi. C'est Pedro. J'ai cru que c'était Pedro. Bah je voulais pas que Pedro gagne une deuxième fois, quoi. Ok. En plus, j'ai explosé un moment, la voiture, elle est tombée. Ok. Pour l'instant, je suis pas trop mal, les gars. Pour l'instant, c'est beau, c'est beau. Elle est incroyable, les gars, la course, c'est un truc de fou. Elle est magnifique. Je kiffe. Ouais, ouais. Ce type de course, c'est magnifique, moi j'adore ça. Ouais, bah en fait, c'est amusant, quoi. C'est ça à faire entre poteaux. Et bah écoutez, je pense qu'on va bientôt finir, je vois le point final sur la minimap. En tout cas, on peut mettre une bonne note, je pense. Pedro, tu mets combien sur 10? Ah là, je mets au moins 8. Et toi, BGR? Un 9,5 là. Kosla? Un 10 sur 10. Et moi, ça sera effectivement un 10 sur 10 parce qu'elle est pas mal. J'ai eu un petit fail au début, mais honnêtement, c'est magnifique. And the winner is. Vive les pasta box, vive les frites, vive la salade, vive la tomate. Et on est parti pour. Vive la femme de JR. Oh le bat. Une petite pensée à Yaya qui nous a quittés. Oh les bats. Petite pensée à Yaya, effectivement. Non, je finis.